coraux sont des organismes coloniaux. Il s'agit de la symbiose entre un animal et une algue. L'animal est appelé polype et il érige des structures calcaires au cours de sa vie. Chez la plupart des espèces de coraux, on a ce qu'on appelle des phénomènes de ponte massive qui ont lieu à un moment précis de l'année, où là, les différentes colonies, mâles, femelles, vont émettre leurs gamètes, donc leurs cellules reproductrices, dans la colonne d'eau. Ces gamètes vont se disperser, après fécondation, se transformer en larves, et les larves vont ensuite revenir près du substrat, du sol, pour se fixer, enclencher une métamorphose qui va les transformer en polypes. Et donc moi, j'étudie ce phénomène, je pose des plaques pendant 6 mois sous l'eau, qui ensuite sont récupérées et analysées en laboratoire. Et donc l'analyse consiste à observer les squelettes de ces polypes coralliens et de les comptabiliser pour savoir combien de recrues sont venues durant cette période coloniser le récif.